Célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Donc, tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue pour un nouvel épisode, pour une nouvelle série même, un nouveau let's play sur Tomb Raider, le nouveau, celui de 2013, qui est sorti en 2013, évidemment. Je suis extrêmement content de faire ce jeu-là, ça fait très très longtemps que ça me tente de le jouer. Finalement, hier, je me suis décidé, voilà. J'avais plusieurs choix de nouvelle série, j'ai décidé de faire ça. Je pense que le son est un peu poil trop fort par contre. J'ai cette impression là. Parce que ouais. J'avais déjà baissé, tout était au max. Puis il est déjà encore fort. Fait qu'à mon avis, il faut qu'on le baisse pas mal. Si je veux m'entendre quand même, je pense que c'est le plus important, m'entendre. Je veux dire, entendre et voir. Avec. Donc voilà, nouveau let's play. Devrait sortir les lundis et les mercredis. À moins que je fasse. Ouais. Ça devrait être écrit dans la description, dépendamment de ce que je fais. Plus tard aujourd'hui, je devrais faire une vidéo annonce, parce que je suis de retour du Canada. Donc voilà. Et puis,
Et puis c'est ça. Alors on va commencer tout simplement. Allez, Jonah, Reyes, aidez-moi. D'arranger mes trucs. Il faut que je me libère. Boum. Ah, prochain. Ouais, bah j'ai fait des petits tests, donc j'ai avancé à peu près 2 minutes plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai pas fait le saut quand quelqu'un il a tapé. Ça va faire mal. Ça commence déjà assez intense, je trouve. J'avais pas checké de l'aspect. Oh, ça fait un petit bout de sorti. Puis je m'étais dit que j'allais pas me spoiler, donc qu'est-ce je sais absolument fait, rien. Puis, je connais absolument rien des autres Tomb Raider puis tout. J'étais allé visiter les studios de Eidos Montréal, donc une division de Square Enix. Puis ils ont parlé en très très bien. Ils ont présenté juste le trailer, je pense. Ah, barrière inflammable. Je vais faire quoi? Bon, ok, je vais prendre une torche. Ça doit être ça. Une torche. Nouvel équipement à acquérir. Quelle heure. Ça s'éteint vite. Ok. Donc c'est contrôle pour marcher si je me souviens bien. Puis sprint pour courir. Bon là on peut peut-être pas courir. Il a dû m'entendre. C'est pas vrai. Examinez votre environnement. C'est vrai. Ok. Ouais, je commence à comprendre ce qu'il y a. Ça tombe brusquement, non? Faire exploser ça, ça peut pas être si mal. Donc il faudrait faire tomber ça là-dedans, sûrement.
Merci, mon Dieu. Donc, il faudrait aller allumer ça. Mais... examiner ma ténèbre. Donc on peut allumer ces trucs là, mais ça va se faire éteindre par l'eau. Sûrement. Faut exploser le truc là. Donc on a ça ici qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Savoir qu'est-ce que ça change. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? F qui pousse. C'est supposé faire de quoi? Oh, ça l'envoie de l'eau par là-bas. Il y avait de l'eau qui est passée. Allez! Bon. Donc il y a de l'eau qui part, je pense. Je peux trouver ça, je comprends pas qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ni avec ça d'ailleurs. Vous voyez ça, je peux le brûler. Ça, ça brûle. Ça va, tu vois, il était enflammé, mais là, qu'est-ce que c'est supposé faire? Ah. Dans le fond, faut que j'essaie de passer avec la torche. Si je passe avec la torche, elle s'éteint. Faut juste que j'essaye. C'est ça. Faut que j'essaie d'enflammer ces trucs là. Faudrait que je passe par là. Faudrait que je dégage ces trucs là de plus. Puis c'est vraiment fort le son. On doit vraiment pas m'entendre fort. Voilà, c'est mieux comme ça, j'espère. Mais donc. Donc, le but, ça va être de... Ok, comme ça, ils s'enflamment tout seuls, les barils qui passent à côté. T'en as qui restent pognés dedans, t'en as d'autres qui passent à côté. Et ceux qui passent à côté, ils se font enflammer, comme celle-là. Vous voyez? Ils se font enflammer, puis ils continuent. Donc là, maintenant, ils se font enflammer tout seuls. C'est ça que ça fait, dans le fond. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que si, je veux dire, ça l'aide pas vraiment à appuyer sur la main. Faut peut-être le faire au bon moment, ou je sais pas quoi. Je comprends pas trop. Parce que l'eau là-bas, on est même pas en train d'interférer avec l'eau. Donc ça fait quand même. Non, ça fait quand même éteindre les bébelles. Ça l'aide comme pas. Il doit y avoir autre chose. Ici.
Il est où? Comme un cheval. Échappe? Non. Ok, elle veut bouger. Elle voulait pas bouger pendant quelques instants. Ah. Ah. C'est le tour ramené par la marée. Non, pas l'eau. Allez. Voilà. Terminé. Il faut que je sorte de là. Elle, ça y fait pas trop mal, je veux dire, là, c'est quand même faible. La lumière du jeu. Là. Lumière. Oh shit. Mais non, elle est rendue où là? On va se faire écraser par la vache. Oups. Oups. Merde. Ah, premier fer. Bon, ça devrait être super. C'est ça. Que je paye genre sur F ou E, vraiment vite à un moment donné. Ah, c'était là. C'était pas eux. Alors, qu'est-ce que c'était? Ah, peut-être faut juste le faire vraiment vite. J'étais pas assez vite pour. Peut-être. À savoir. Tiens, je vais commencer à taper dessus. Ah non, c'est F. Ok. Je vois ce qui est écrit en dessous. Je l'ai vu à la dernière minute. Ça s'est fait écraser, c'était pas très beau. Utilisez les feux de camp pour améliorer vos armes et apprendre de nouvelles compétences. Le feu, ça a l'air d'être important là-dedans. Comme là, avec ses torches... Ah merde. On va plus rien. Elle a une montre quand même. Puis le collier. C'est quand même bien, je veux dire. Oh shit. Donc, à savoir où est-ce qu'elle s'en allait, là, elle doit être sur une île perdue, sûrement. Donc, à savoir... Oh, quand même pas pire comme intro. Très très bien. Puis en même temps, c'était le petit tutoriel qui était très sympathique. Ok, j'ai contrôle. Là, faudrait se rendre à l'eau, moi je dis, pour se laver. Objectif, il était super là-bas? Non? Ok, il peut écrire l'objectif. À mon avis, ça doit être par là. Yo. 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 Non mais... Ah, voilà. Je me mélangeais de touches déjà. Ça commence bien.
canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. À mon avis, il n'y aura pas 36 000 autres survivants. J'ai comme cette petite impression-là. Je sais pas, comme ça me prend. Ok. Doucement. Ah non. J'ai de la misère ça, avec l'équilibre. Si genre quand on va tomber d'un bord, il va falloir que je pèse de l'autre, là, sûrement. Ouais, c'est ça. Ouf. Oh non, mais là, t'as pas l'arbre qui va casser en plus, là. Je veux dire, c'est déjà assez. J'essaie de garder l'équilibre, là. Pour le faire rentrer rapidement. T'as assez mal en point, ça, faut se le dire. What? Il est pas venu en bateau? Je veux dire... On posera pas trop de questions. Qu'est-ce qu'il fait à faire? Agrippé, Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un beau petit tutoriel en même temps, c'est très sympathique. On va être vers la gauche. Hein, ouais. Allez! Allez! Okay. Ouais, c'est bon, je commence à comprendre. Ça va lâcher dès qu'elle va être au-dessus. T'as besoin d'une petite douche, je pense. Manger un peu, puis peut-être un petit feu. Chocolat chaud, ça serait cool, le chocolat chaud. Le sac de Sam. Qui, évidemment. Évidemment, on va tomber dans l'eau puis plus rien va marcher. Sam? Ross? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je le trouve. Ok. Oh non, c'était E! Merde. C'était E pour agripper quelque chose. Lieu actuel, forêt littorale. Parfait. La carte, c'est... Ok. Voilà, la carte c'est Tab, donc ça c'est où c'est qu'on est allé, là ça c'était en dessous de l'eau, après ça on est sorti dehors là, vous voyez falaise, puis on a marché, puis on aurait pu aller là mais je pense que je me suis fait, puis on est rendu dans la forêt littorale. Oh shit, forêt littorale 0% terminée, c'est comme énorme. Ok, c'est bon. Là par contre, avec l'introduction, ça doit faire un petit bout que je fais d'épisode. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo et je vous dis à la prochaine, jeunes gens.